Sept randonneurs belges doivent s'attendre à une facture salée après leur sauvetage en haute montagne à la frontière entre l'Autriche et la Suisse. Les touristes qui craignaient de redescendre par leurs propres moyens ont en effet dû être secourus par hélicoptère. Les sept randonneurs, parmi lesquels 4 adultes et 3 enfants, avaient escaladé la Stesa Plana, point culminant du massif du Raticon avec ses 2946 d'altitude. Après avoir passé la nuit dans une cabane, les pentes abruptes de la montagne ont effrayé les Belges au moment d'entamer la descente, selon la police du Land autrichien du Vorarlberg. Leur hôte a alors contacté la police, qui les a héliportés. Les forces de l'ordre envisagent de leur faire payer l'opération en raison d'un « manque de préparation », a indiqué samedi la police dans un communiqué. Les pays alpins s'interrogent en effet depuis plusieurs années sur l'opportunité de faire payer les randonneurs négligents ou mal équipés lorsqu'ils se trouvent en difficulté. La Stesa Plana est réputée difficile pour les randonneurs en raison de ses pentes et des zones enneigées qui les recouvrent.